sais-tu? Je suis pas sûr. Pas sûr de quoi? Que c'est une bonne idée. À quoi tu fais référence au juste, mon pouc-pouc? Ben, voyons, t'aimes ça pourtant, les traitements d'acupuncture? Tu y vas deux fois par semaine. Mais chez nous, ce capatura, l'acupuncteur ici, elle pense qu'on est humain. Et puis, on n'a pas du tout la même anatomie. Si ça se trouve, ton docteur Chang. Elle va tout nous déboussoler les méridiens. Oh, elle revient là. Tiens-toi tranquille. Tout va bien, tous les deux? On disait justement à quel point ça fait du bien. Numéro un. Oh, ça fait du bien. Menteuse. Vous deux chanceux, très chanceux. Moi, experte. Oui, c'est relatif. Pardon? Ce que mon mari veut dire, là, c'est que... Ton mari est encore capable de parler tout seul. C'est juste que c'est la première fois qu'on vient vous voir. Et l'acupuncteur que je consulte habituellement n'a pas du tout la même technique que vous. Vous comprenez? Je me demande si... Je me demande si on ferait pas mieux de s'en aller. Finalement... Non, pas problème. Moi, experte. Non, vous comprenez pas. C'est vous qui pas comprendre. Vous êtes le chanceux. Moi, experte avec capatulien. Oui, moi, beaucoup clients capatuliens. Gros fournisseurs de toutes sortes d'herbes que pas capable de trouver sur terre. Pour médecine chinoise. Sérieusement? Mais oui, où est-ce que vous pensez que j'apprends à parler le français? À Chinatown? Laissez sans bouger. Moi, venir dans un petit moment. Le français à Chinatown.